Ouais, je m'en souviens, ouais. Non, c'était un très beau coup de poker. Vabellino devant Vulcain de Vandel. Vabellino qui remporte le critérium des 5 ans. On n'avait pas grand-chose à perdre, d'autant plus qu'on avait voulu le préparer en courant à Durtal. On savait que c'était un cheval dur à l'effort, donc déjà prendre ses précautions au moment du départ. Et puis après, je savais que j'avais un cheval où les 3000 mètres lui faisaient pas peur. Bah tout à fait, s'il était troisième déjà on aurait été ravis, mais on savait que c'était un lot qui restait assez ouvert. Donc voilà, on avait quand même des prétentions pour jouer un très bon rôle. Je me souviens juste avant le départ, avant de rentrer en piste, j'avais fait enlever les bottines à Sébastien, il m'avait dit ta carte blanche et ça reste un grand moment, d'autant plus que ce jour-là j'avais qu'une montre, j'étais sous le coup d'une mise à pied, donc c'était un grand moment, je me rappelle comme si c'était hier. Vabellino très nettement au commandement, suivi toujours en deuxième position par Vulcain de Vandel, victoire qui lutte vers Inex Marceau qui vient. Vabellino qui a course gagnée maintenant à 100 mètres du poteau. Vabellino devant Vulcain de Vandel qui lutte avec Verinex Marceau et Viking de Val. Vabellino qui remporte le critérium des 5 ans. Critérium, ça reste les critériums. Je pense que mis à part les trois grandes courses lors du meeting d'hiver, gagner un critérium, c'est... C'est bien d'avoir de gagner des critériums, c'est magnifique quoi.